Salut à tous, aujourd'hui une vidéo de la Nutix Saravan. Nutix, elle est basée sur la Linux From Scratch, une distribution qui a pour, dirons-nous, slogan « Utilise la compilation, Luc ». En clair, on compile tout de A à Z, que ce soit le noyau, la bibliothèque C, les différentes bibliothèques, le compilateur lui-même. Bref, la base de la LFS peut demander plusieurs heures de compilation et Thierry Nutens a décidé de prendre la LFS et de faire une distribution basée dessus avec un outil qui s'appelle Cards et que je vais vous montrer en action. Donc là, on démarre l'ensemble. Donc, c'est une distribution qui utilise le noyau 3.16.4, qui utilise aussi KDE-SC 4.11.1, il y a XFCE. Il y a d'autres trucs aussi, il y a bien sûr LibreOffice, il y a Firefox, Thunderbird, VLC, bref. Une Logitech assez intéressante, même si, petit test de l'équipe oblige, il n'y a pas certains outils comme Amarok ou encore Digipack. Enfin, du moins, il n'y a pas Amarok. Les tests préliminaires que j'ai fait. Donc, c'est du KDE tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, ça se charge. Pardon. Voilà, donc nous avons un bon vieux KDE, des familles. Ah oui, c'est une des rares distributions qui n'utilise pas systemd, comme la Slackware ou autre. Donc je vérifie au niveau sonore. Normalement, ça va être bon. Donc là, je vous montre en gros. Donc j'ai rajouté à la Logitech de base LibreOffice, j'ai rajouté Thunderbird et Firefox. Bien sûr. Et Thunderbird. Voilà. Bon, il manque l'icône de Thunderbird Mail, ça c'est un petit bug que je rapporterai auprès de Thierry Nutens. Donc on va commencer par les infosystèmes. Donc c'est une distribution qui est quand même assez mécano, à l'image d'une arch Linux, en étant beaucoup plus racine, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc côté swap, il n'utilise presque rien. On a en gros 5 Go de prix pour un KDE plus un LibreOffice plus un Firefox. Donc là, je vais commencer par LibreOffice, qui est une version quand même assez récente. La 4.3.2 de mémoire. Là, je vérifie en vitesse, mais c'est la 4.3.2. Voilà, c'est la 4.3.2. Donc, on va ouvrir Document Writer. Là, vous voyez quand même, c'est du classique. Bon, il faut mettre les icônes KDE, ça c'est le problème. Ah, bon, mais là, je vais pas tout ouvrir, mais pour montrer que ça fonctionne. Donc, dans les manques, il y a aussi l'absence dans Dolphin des répertoires utilisateurs. Il n'y a pas de. On appelle les outils XDG UserDIRS qui sont absents malheureusement. C'est encore un paquet qui manque. Mais ça n'empêche pas que c'est une distribution quand même qui est utilisable pour la bonne bureautique. Donc Firefox. Je n'ai potentiellement pas installé Flash. D'ailleurs, je ne sais pas si Flash est disponible. Je vérifierai par la suite. J'ai voulu rester dans la version Libresque Automac Maximum autant que possible. Donc là, on va passer Firefox 32 en français. Je crois que c'est la version 32. Donc ouais, c'est quand même pas mal. La distribution est quand même assez intéressante. Donc là, on va passer en français. Il suffit juste d'activer le langage. D'aller dans About Config. On va modifier la valeur general.useragent.local et normalement on démarre le suivant, on l'a en français normalement. Donc la Nutix est tout à fait classique dans son utilisation. On dirait pas que c'est une base Linux from scratch d'ailleurs, hein. Alors croisons les doigts. Oui, ça fonctionne.
Donc là, on va tester la capacité HTML5 de l'ensemble. Bien sûr, pour tous les détails techniques, j'ai oublié de préciser CF l'article, la référence dans la description. Donc là, on va aller voir nos amis d'Inimbo. C'est des artistes libres, je me souviens de l'adresse du site sur Bandcamp. Donc on va prendre l'autre. Voilà, celui-là par exemple. Donc on va prendre celui-là et on va voir ce que ça donne. C'est bon que ça fonctionne. On va passer maintenant pour faire un petit tour sur YouTube. Norman, non merci. On va passer avec Cyprien. On va rigoler un peu. Moi j'aime bien cette vidéo. Bon, je vais pas tout mettre pour des raisons pratiques. Mais. J'ai dû changer de numéro de téléphone. Bon, je vous conseille cette vidéo parce que c'est excellente. Surtout le petit clin d'œil au Nokia 3310, vous comprendrez. Donc là, quand même, ça fonctionne pas mal aussi. Donc là, bon, comme je disais, c'est basé sur Linux from scratch avec un outil qui s'appelle CARTS. C'est un acronyme, bref, j'ai pas retenu. Si on fait, ce qui est un outil quand même qui est assez rapide pour l'installation. Donc on va installer VLC qui est quand même un gros morceau à installer. Vous allez voir le temps qui est nécessaire pour installer VLC. Modulo, bien sûr, la récupération, dépendance. On va dire que c'est passé 15 secondes à peu près. on va installer GIMP. C'est quand même un peu un plus gros morceau. Donc pendant que GIMP s'installe, on va lancer VLC. Et voilà, VLC est installé. Donc ce que j'apprécie vraiment dans la Saravan, l'Antique Saravan, c'est que le gestionnaire de paquets est super rapide. Donc je précise dans l'article que l'installation de la base se fait en 20 secondes. Regardez, il y a quoi? Et même pas 30 secondes sont déroulées, j'ai GIMP installé. La preuve. Bon, là, je lance en ligne de commande, mais il n'y a pas à dire, ça dépote. Donc c'est vrai quand même que c'est assez intéressant comme distribution. Bon, bien sûr, il manque des paquets, mais ça, c'est le problème des petites équipes. Donc, vous avez vu quand même le temps pour installer GIMP? Moi, je suis curé. Donc, on va chercher un logiciel audio. Sudocard search audio grep. Bon, je vais voir la liste. Donc, voilà, est-ce qu'il y a à Maroc? Non, il n'y est pas, malheureusement. Donc, on va se replier sur Deadbeef. Tant qu'à faire. Donc on va faire sudo cards install deadbeef. Un petit lecteur que j'aime bien. Qui bon, c'est pas le super lecteur, mais ça permet quand même d'avoir un petit lecteur de base quand on a un album qu'on a envie d'écouter comme ça. Alors, deadbeef. Il n'est pas encore là. Et normalement, il doit se lancer. Normalement. Bien sûr. Ah, il y a un petit problème. Deadbeef, il y a un petit problème au lancement. Bon, on va voir s'il y a quoi de libet. Dommage. Allez, à du direct. Non, il n'y a pas quoi de libette. Dommage. Bon, ben ça, c'est le problème. Donc, un petit bug, il faut que je rapporte aussi à Thierry. Ça continue. Bon, mis à part ça, mis à part les petits bugs de jeunesse, l'ensemble est quand même très utilisable. Donc, je vais vous montrer en gros le site de la Nutix. Et la grosseur de l'équipe de développement. Vous comprendrez pourquoi il y a le problème de certains logiciels qui sont indisponibles. Donc, on va sur la version française. Information, je crois que c'est là l'équipe. Voilà l'équipe, il y a 1, 2, 3, il y a 6 personnes si j'ai bien compté. Il y a Tnut, Pierre, Guy, Gut, Funch et Géombre. 6 personnes, en gros, pour faire vivre la distribution.
ce qui n'est pas grand-chose. Mais modulo le peu de nombre de personnes qu'il y a, il y a quand même pas mal de logiciels. L'installation est un peu... Je vous montre quand même une partie de la documentation. C'est vrai quand même que c'est du très très très... voilà, vous voyez, c'est vraiment du très basique. Voilà, parce que bon, vous avez l'adresse en haut, mais c'est vraiment du super basique. Mis à part ça, c'est une distribution qui est très intéressante parce qu'elle ose sortir de ce débattu. Ce n'est pas la Xème ou la Nème dérivée d'Ubuntu, comme Feu la Color Wheel, comme d'autres distributions pour lesquelles je tairai le nom parce que je me suis fait traiter comme du poisson pourri. Mais c'est vrai que ça change vraiment. Ce n'est pas basé sur Debian, ce n'est pas basé sur Ubuntu. C'est notre base, un peu comme la Manjaro qui se base sur Arch Linux. C'est vraiment une distribution qui est pour moi innovante sur ce plan-là parce qu'elle ose utiliser notre base. Elle utilise la base de LFS. Comme la Zero Linux, elle souffre du problème de la petite équipe. C'est ça qui est le problème, quoi. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à vous montrer. C'est une distribution qui est quand même assez rapide, comme vous avez pu le voir. Mais comme la Zero Linux, comme d'autres distributions, elle souffre d'une petitesse d'équipe qui rend le débogage et le développement très long. Allez, à plus !